Ouais, la famille, connectez-vous, c'est très compliqué. Quand il veut bavarder ce soir, vous allez dire que moi, je bavarde. Vous avez vu, non? Bah, mon anniversaire qui est... Bon, je ne peux pas dire que mon anniversaire est passé parce qu'il y a encore des heures. Mais mon anniversaire m'a permis de voir vraiment mes vrais amis. Parce que un jour de plus, un an de plus, autant pour moi, est sacré. Combien de gens meurent? Combien de gens ne voient même pas la nouvelle année? Combien de gens ne parviennent même pas à fêter leur anniversaire avant de mourir? Combien de gens meurent deux jours avant leur anniversaire? Combien de gens meurent même le jour de leur anniversaire? On connaît beaucoup de Bengis qui sont venus au pays pour vouloir fêter l'anniversaire avec les amis. Ils sont morts le même jour, je manque même. Combien de gens? C'est-à-dire que moi, je fais mon anniversaire et les gens qui m'ont posté et les gens qui ne m'ont pas posté. D'accord, connectez-vous. Ça, c'est plus l'un et puis à la blague. Donc, vous allez dire que même ceci, Roussel, nous, c'est fou le camp, le gros, il attendait, il ne veut même pas t'insulter. Il ne veut même pas t'insulter. Et puis un an de plus, aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, il veut essayer, il veut faire le maximum possible d'être poli. Il ne te gère même pas, hein. Mon gâteau. Hé! Hey! L'anniversaire! Le seul anniversaire où on mange le gâteau pour se rassasier. Ça veut dire que nous, on était au nombre de 6. On a coupé le gâteau en 6 morceaux. Le seul anniversaire où on a mangé le gâteau pour se faire rassasier. Ah, je vais dire, mon gars. Vous-même, vous êtes témoin. Salut la famille, connectez-vous. C'est très compliqué. Vous êtes témoin. Vous avez vu, aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Vous avez vu ceux qui m'ont posté. Et si quelqu'un, et si tu fais ton anniversaire, quelqu'un ne te poste pas, il ne t'envoie pas la vidéo d'anniversaire. Là, voilà, non, les méchants, ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Envoyez-moi les cœurs. Connectez-vous. Ça veut dire que tu fais ton anniversaire, tu fais tes un an de plus. Chose qui est sacrée. C'est que le jour où tu es né, quelqu'un ne te poste pas. Ton ami influenceur qui a ses pages Facebook ne te poste pas pour te souhaiter joyeux anniversaire. Il ne t'envoie pas la vidéo. Il ne t'envoie pas le message. Ça veut dire qu'il saute ta mort, non? Ça veut dire qu'il est fâché que tu as eu un an de plus, non? Ça veut dire que lui, le fils, ça veut dire que lui, quand tu es en train d'annoncer sur ton anniversaire, ça l'énerve. Ça l'énerve, ça veut dire qu'il est fâché. Attends, ou bien j'interprète mal, s'il vous plaît, dites-moi aussi. Dites-moi aussi. Ça veut dire qu'il est fâché, non? Moi, je vais faire la liste de tous ceux qui disent qu'ils sont mes amis et qu'on a les numéros de téléphone, se voient les statuts, qui ne m'ont pas sauté joyeux anniversaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas un moi. Et ce sont même ce sont, oui, c'est les gens-là. Tu vois, même bien, ce sont des gens qui ont monté le coup pour qu'on casse mon 12 pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, il y a mes amis qui m'ont promis le téléphone. Demain, à l'avenir, Kennedy, vous allez voir le miracle. Rien que, donc, à l'avenir, Kennedy, là, on a arraché mon téléphone. Là. Demain, on va vous donner notre 12 pour moi, ça va. C'est compliqué. Parce que dans la vie, quand tu poses les actes avec le cœur, même la nature t'accompagne. Ma nature n'est pas polie, elle est pure. C'est connectez-vous. Moi, j'ai deux mots. J'ai dit que j'ai deux mots à dire à tous ceux-là. Et à partir d'aujourd'hui, ceux qui ne m'ont pas posté là, dis-moi, ils les bloquent. Et moi, j'ai bien dit ceci, ancien bestudeur. Tu ne m'as pas posté, tu m'en as vu influencé, tu me vois dans la rue. Parce que vous êtes fort. Parce que le Cameroun est un champion pour se faire passer pour le bon sur les réseaux sociaux. Hey, le Camerounais, vous tamponnez deux personnes dans un couloir. Il a mal à la machette, tu te coupes le bras. Mais si vous êtes au milieu des gens, il va rire. Mon ami Zizou, il rit, il t'embrasse. Le Camerounais. Le Camerounais est champion pour se faire passer pour la victime. Il te dit, non? C'est un peu comme le. Il y a un jeune homme qui a blessé mon ami. Il fallait le voir quand il a amené à la gendarmerie. Mon ami, ne sais pas moi ce qui m'a pris. Oh. Ne sais pas moi ce qui m'a pris. Le Camerounais est champion. Champion. Vous dites la vérité. Vous-même, vous êtes la cité. Vous connaissez. Citez le nom de ceux qui ne m'ont pas posté, qui ne m'ont pas souhaité joyeux anniversaire. Ne me postez même pas. On peut comprendre. Peut-être que tu as été censuré sur Facebook. Ta page a eu un problème. Je ne sais pas. Autant de choses. Mais le simple message. Vous allez dire, même si là, je ne parle pas, je ne bavarde pas. Ah, je vais attaquer l'éternel, t'accorde tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Et Laetitia Nouma. Ils sont en train d'envoyer les têtes de moi. Envoyez les têtes de moi. Envoyez. Les méchants. Les méchants. Il fait le job pour exprimer mon mécontentement, vous envoyez les têtes de mort. Envoyez les têtes de mort, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est transmis dans la crime, c'est grave. C'est grave. C'est transmis dans la crime, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Et vous rappelez que les gens organisent l'anniversaire, c'est la grenadine avec le faux secret. Moi, je suis en train de boire 12 ans d'âge. Allez dire qu'elle me vante, il n'y a pas de souci, elle me vante. C'est mon agent que j'ai acheté. C'est mon ami qui m'a offert ça. C'est toutes les relations. C'est les relations. C'est mon ami qui est venu. Il s'est de boire un singleton 12 ans d'âge. C'est compliqué.
C'est compliqué. Ça ne sert à rien de louer la salle pour faire beau aux gens le folirer. Ça ne sert à rien de louer la salle. Tu sais que tu organises l'anniversaire pour. Non. Le seul anniversaire où on a mangé le gâteau pour se rassasier, c'est mon anniversaire. C'était mon anniversaire, c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai pas besoin. Moi, vous connaissez, moi, c'est un gars qui est humble. Mais moi, j'ai eu mal. Aïe! Il reste comme ça, là, c'est mon anniversaire. Minuit. Il fouille les pages des gens, il voit telle personne m'a posté. Et les gens que j'ai posté à leur anniversaire. Bah non, parce qu'à un moment donné, c'est comme si j'achetais trop quelque chose. Tu vois un peu nos gars. À un moment donné, c'est comme si moi, j'achetais trop quelque chose. Il n'achète rien. Il n'achète rien. Donc, je tiens à remercier. Ils ont vu, non, mes amis, c'est pas n'importe qui. Les grands frères comme les Fanico. Je dis merci au grand frère Fanico qui m'a souhaité joyeux anniversaire. On était à Dubaï, hein. On était à Dubaï, on s'est vu et tout. Il sait. Le grand frère Fanico, il sait. Je tiens à remercier le grand frère Fanico qui m'a souhaité joyeux anniversaire. D'ailleurs, d'abord, il va faire de même quoi. Papa m'a gâté au village. Si Dieu me souhaite joyeux anniversaire, pas avec les disciples. Attends, si Dieu m'a souhaité joyeux anniversaire, Jésus aussi est venu me souhaiter joyeux anniversaire. Et pas avec les apôtres et les disciples, pas même avec eux. Et pas même avec eux. Petite photo comme ça là, même pas hypocrisie, dit que non, gars, vous m'avez montré que vous n'êtes pas avec moi, j'ai compris. Non, j'ai compris. J'ai compris. Alors que moi, il va arriver à une phase maintenant où on m'appelle, on me dit que, allô, je suis pas dans le numéro de telle personne, si elle marche comme ça là. Non, mieux, il dit que pour le moment, tu es même pas au pays, mieux. Il dit que mieux. Parce que quand tu vas entendre ça, je suis sûr que ça va te faire quelque chose. Partagez-moi le direct là, partagez le direct. Il va citer les noms, hein. C'est même pas, ne croyez même pas que je ne vais pas citer les noms. Je vais citer les noms des gens que j'ai les numéros et que je suis ami avec eux. Mais ils m'ont pas sauté, je vais l'anniversaire. Partagez-moi le direct. Je vais voir les 1000 personnes connectées. Vous êtes déjà 700. Partagez-moi le direct. Pas de soucis. Si tu parles, viens, tu parles. Oui, c'est déjà l'anniversaire là, non? Quelqu'un loue la salle, il fait l'anniversaire, il met le buffet. Tu viens pour te servir, on dit que si tu touches au poisson, tu ne touches plus la viande. Je dis que quoi? Que si tu touches la viande, tu ne touches plus le poisson. Mieux tu fais l'anniversaire, tu essaies de voir tes amis qui sont disponibles. Regarde le buffet qui était à mon anniversaire, regardez. Pas un plat, l'invité à manger l'a laissé. C'était le riz parfumé. Les gens font l'anniversaire, c'est là le riz du savon peut tuer quelqu'un. Avec tu mets le riz, ça colle sur ta langue. Calme-toi mon sang, j'ai partagé, coucou, partagez-moi le direct là. Partagez, vous-même, dites-moi en commentaire. Non, hey, mon parrain, mon père, hey, Cabrel, mon frère, toi aussi. Mon parrain, mon père, comment? C'est moi-même qui prends son téléphone, je poste. Cabrel me dit, hey. Même dans les rêves, même Cabrel ne me souhaite pas jouer d'anniversaire. Comment? Donc, un père à son enfant, il ne souhaite pas jouer d'anniversaire à son enfant. Comment? Que ça a commencé, comment? Pour ceux qui viennent se connecter sur le 5 de temps, c'est 12 ans d'âge. C'est compliqué. Et en passant, vraiment les gens, regardez, vous avez vu, depuis que moi je suis avec cette marque, je ne m'avale pas beaucoup, non. Et génial cosmétique, rien que la bouteille, c'est 80, mais c'est pour une catégorie de personnes bien précises. Donc dans la vie, vraiment les gens, si tu te bats encore, laisse. Moi, je suis trop compliqué. Je suis pas dans les marchés de cosmétiques, de 1000 francs là. Je suis pas là pour signer les contrats de publicité cosmétique. Que tu arrives le jour de la signature du contrat, on te reçoit derrière une table, c'est la voiture qui est en train de passer. On dit, mettez le parasol comme ça. Non. Moi, je suis génial cosmétique. Maman est génial. 7 ans de formation aux États-Unis, c'est trop compliqué. Regarde, oh Seigneur, même le savon, oh Gombo, il bavarde même quoi, non, tu sais, avec tous les merveilles que Dieu fait dans ma vie, il bavarde même quoi? Il bavarde quoi? Parfois, tu signes les grosses entreprises, on te donne 100 000, on te met sur les affiches partout. Ta mère t'appelle au village, qui veut le sang des riz, c'est normal. Parce que quand elle passe la route, sa route pour aller au champ, elle voit tes photos sur les placards, les gens disent que maman, t'en as pas derrière l'argent. Mieux les mamans comme les ingénieurs cosmétiques, ça t'appelle dans le noir. Depuis que je suis à Yaoundé, ça fait 5 jours que je travaille 2 millions. Que ça vous porte-monnaie, s'il vous plaît. Allez vous pendre. Depuis que je suis à Yaoundé, si j'ai travaillé l'argent. Regardez. Quand vous regardez les biens, c'est là. Ça, c'est les biens des bailleurs. C'est les biens des banques. C'est claquant. C'est les biens des banques. À un moment donné, quelque chose me fait mal. Parce que je sais ce qu'il peut faire pour mon frère. Et je vois qu'il ne le fait pas. C'est compliqué. Beaucoup d'entre vous vont dire, peut-être, 24 liasses, c'est ça, c'est 400 000, il y a ça, ça c'est mon an de poche. Beaucoup d'entre vous vont dire, ah, c'est même pas gros, parce que vous ne connaissez pas les biens, ça c'est les biens des banques, regardez, c'est les biens des banques, c'est compliqué. Donc, je disais ceci, maman est ingénieure cosmétique, elle est située à Bastos, comprenez d'abord dans quel quartier elle est située. Elle est située à Bastos, en face, c'est en face de la laboratoire Meka, non? Oui, elle est située en face de la laboratoire Meka. Fais ton anniversaire, tu crois que tu as tes amis. Mais
J'ai fouillé les pages des gens aujourd'hui, Massa. J'ai fouillé les pages des gens. Aujourd'hui, c'est même si dit que, gars, avant de venir s'intéresser à parler le nom de quelqu'un, il faudrait que non. J'ai toutes les preuves possibles. J'ai fouillé le nom de quelqu'un. Merde! Seigneur. Joyeux anniversaire, Zizou. Les gens ne m'aiment pas la panier, c'est trop compliqué. Merci, mon frère. Partagez-moi le direct là. Vous allez à 800. Il veut voir les 1000 personnes connectées. À 1000 personnes connectées, il veut citer tous les noms. Et j'ai dit bien, j'ai dit et j'ai redit ceci. Toi qui veux citer ton nom, si tu ne m'as pas cité, j'ai dit, si tu me vois en route, je te jure, ma mère ne me salue pas. Moi, vous avez dit que moi j'aime les buzz, non? Il veut te taper, ça va faire le buzz et il va aller en prison, il veut ressortir. Ça va faire le buzz, mon nom va encore manquer. Vous avez dit que je ne suis pas comédien, je ne veux même pas. Je ne me mettez même pas dans la catégorie de comédien, je ne veux même pas moi être comédien. Laissez-moi comme je suis là, j'ai fait mon buzz, c'est un pacte. On me donne tous les contrats, j'ai fait la promotion des sons des gens. En parlant de la promotion des sons, il y a mon bar fait où? Les gens m'ont payé pour leurs sons. Les gens m'ont payé pour leurs sons. S'il vous plaît, c'est ça qui est vieux, je ne vole pas. Souffrez d'écouter d'abord les musiques. Les Camerounais sont forts. Les Camerounais sont forts. Est-ce que mon directeur Kevin peut m'aider à jouer le son de. Il y a même quel son là? C'est le Bafé JB, j'ai acheté ça à Dubaï. C'est 300 c'est 50 000. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore voyagé. Il faut partir des langues. Et ce qui me plaît, c'est que malgré tout ce que je fais, le Seigneur me bénit toujours. C'est-à-dire que mon frère Chik Dengue, moi, nous, on fait partie des premiers artistes de la nouvelle génération au Cameroun à quitter l'Afrique. Et je serai le premier à acheter la voiture. Donc, je vous dis une fois, mon directeur Kevin, il a tout en train de se finaliser. Je vais être le premier à acheter la voiture. Donc, si vous voyez que ça vous énerve trop, courez-vous pas acheter avant moi. Parce que si moi, Zizou, j'achète la voiture avant vous, vous allez. Seigneur, vous allez, je vous dis la vérité. Moi, j'achète d'abord la voiture, changer de numéro. Hein. Parce qu'on dit dans la vie que quand tu réussis, quitte ton quartier. C'est ce que Cabo disait toujours. Si tu mélanges le tricot blanc et le tricot noir, lavage, le noir va teinter le blanc. Quand tu réussis dans la vie, quitte ton quartier, quitte. Ne passe même plus. Passe même plus là-bas, quitte. Bon, maintenant, il y a la proposition de question qu'on m'a donnée. Oh, j'oublie même le nom de l'artiste là, mais sinon, il chante bien. Bachirou. Bachirou Production. Joue le son de Bachirou Production. Joue le son de Bachirou. Joue le son de Bachirou. Joue le son de Bachirou. Bachirou Production. JBL Clip 4. Bro, je ne vous manque pas, même dans votre propre vie, le jour de ton anniversaire. L'anniversaire, ce n'est pas le jeu. L'anniversaire de quelqu'un, c'est un jour sacré. C'est le jour où tu es né. Le jour de ton anniversaire, ton ami ne te souhaite pas jouer l'anniversaire. Bro, comme il te voit vivant là, non, ça l'énerve. C'est comme il te voit vivant là, il n'est pas fier, il n'est pas content. Moi, je vous dis la vérité, non. C'est comme il te voit vivant là, il n'est pas fier. Le jour où tu es né, ton ami ne te souhaite pas jouer l'anniversaire. Même le message ne t'envoie pas. Ce qui veut ta mort, ouais, vous mangez, mangez grand. Ce qui veut ta mort, ouais. Vous concernez quoi, non? Vous allez dire que. C'est quoi avec les billets devant nous, non? Tu as la force. C'est la photo qui provoque compter. C'est le souhait. Ils n'ont pas posté la photo. Ils n'ont pas posté la photo. Mais s'ils ont alors envoyé le message. Écoutez le son, c'est Bachirou Prod. Magical Hakim on the beat. Les hommes appelez-moi, s'appeler bon. Je veux voir les 1000 personnes connectées avant de prononcer le nom. Dis merci d'abord à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et dis le nom de ceux qui m'ont pas souhaité joyeux anniversaire. Et là, tu dis que ceux qui me voient en route, ils ne me saluent plus. Bachirou Prod. Les hommes appelez-moi, s'appeler boy, cette personne m'appelle Chabi, Chabando, occasion m'appelle Bachirou Prode, écoutez l'histoire. J'ai tout fait dans la musique, dans le showbiz. J'ai amené les artistes d'Afrique à Dubaï pour les valoriser. Ils m'ont combattu, ils ont voulu me voir tomber. Le diamant de Dubaï, me voir tomber. Tout ce que je sais faire dans ma vie, c'est chanter un peu des petits cocos. Fais ma petite zing et fais plaisir à tous mes fans partout dans le monde entier. Des hommes appelez-moi Chabi Chabando. S'appelle Boy. Bachirou Production. Maman Mélanie, tu m'as fait. Si moi je n'atteins pas les 1000 personnes connectées, vous-même vous avez peur. Si moi je n'atteins pas les 1000 personnes connectées, avec vous-même vous avez peur. Vous ne voulez pas qu'ils citent les noms. Vous ne voulez pas que moi cite les noms des gens. Vous ne voulez pas que je cite le nom des gens qui ne m'ont pas posté. Vous avez peur.
Vous êtes à 900 personnes connectées. 5 personnes parmi vous là me partagent. Depuis là, vous envoyez seulement les saluts. Partagez-moi le direct. Si vous n'atteignez pas les 1000 personnes connectées, ça veut dire que vous-même, vous avez peur. Vous ne voulez pas qu'ils cèdent les noms. Vous avez peur à ma place. C'est moi qui parle, non. Laissez-moi gérer le retour. Mettez-moi les 1000 personnes connectées. Moi, je vais citer le nom. Je vous le sens grand. Les hommes appelez-moi, s'appelez. C'est un peu comme appelé Chabi. Chabando. Au passé, on m'appelait Bashi. Bashi le Prodé. Les hommes appelez-moi, s'appelez. Mourir le Moula. S'appelez Boy. C'est un peu comme appelé Chabi. Chabando. Au passé, on m'appelait Docteur Raoul. Bashi le Prodé. L'enfant du ghetto. Congèle toi. Pourquoi ne pas te dire merci pour ce que tu fais dans ma vie? Merci Seigneur. Yahweh, tu m'as toujours supporté, tu m'as toujours encouragé. Je suis le pétrolier. Tu m'as toujours protégé contre mes ennemis. Mes ennemis, ils veulent nous. Voilà, comme je disais, c'est mon anniversaire. Je tiens déjà à remercier le grand frère Averro Jess. Joue un peu son nouveau son, quoi. Le nouveau son d'Averro, joue un peu son nouveau son. Je tiens déjà à remercier le grand frère Averro Jess qui m'a sauté joyeux anniversaire. Écoutez son son. Marie Garé, je marcherai, je vais trouver. À la fin, ça va. Mais moi, je ne peux pas chanter. C'est chaud. Son nouveau son, ça s'appelle quoi? Son nouveau son. Mais j'irai au bout de mes rêves. Il y a le grand frère Averro Jess qui m'a sauté joyeux anniversaire. Écoutez, oui. Jean-Pierre Averro Jess, merci. Merci pour la vidéo d'anniversaire, merci pour le souhait. Ça veut dire que tu es fier de voir ton petit évolué, tu es fier de voir ton petit travail. Merci pour la vidéo d'anniversaire. Longue vie à tous. Vous serez témoins, c'est le génie. Malgré la galère, allez faire le travail. Jamais reculé, jamais reculé. C'est Dieu qui me guide, alléluia. J'affronterai les tempêtes. Rêve, Laurie Chill, Laurie Queen, merci pour le partage. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Faut nous respecter, on a fait du chemin. Mola, on ne peut plus se mélanger. Désespéré, abandonné, par cet œil qui jurait sur la loyauté. Je viens du ghetto, je suis affamé. Et j'ai la rage de me rassasier. On m'a dit mon petit, c'est petit à petit. Vas-y doucement pour rester dans la survie. Quand même dans la survie, tu verras des maudits qui vous comptent voir et où tu résides. Je suis dans ton anniversaire. Ceux qui sont des amis ne te postent pas. Ne te postent pas, je suis dans l'anniversaire. Mais qui veut te voir mourir? Qui veut te voir mourir? Merci à tous mes followers qui m'ont fait du bien d'anniversaire. Ma gueule est garée, je lâcherai. À la fois, le travail. C'est Dieu qui me guide, alléluia. J'ai affronté les tempêtes. Y'a Kossi, non? Oui, y'a Kossi qui m'a sauté le jour d'anniversaire. Merci à mon grand frère Kossi. Joue le son de Kossi. Joue son nouveau son. Joue le nouveau son de Kossi, la galère. La galère. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas me laisser en paix. Avec tes téléphone, tu fais, je ne veux pas donner la marque. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Hein. Je ne connais même pas le téléphone avec lequel tu es en train de faire le direct. Il y a le grand frère Kossi, merci. Merci Kossi, merci pour la vidéo d'anniversaire. Merci pour le soin. Kossi. Galéo. Galéo. Give me the mic, yo. La galère. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas me laisser en paix. La galère, tu m'as pourquoi tu vas me laisser en paix, laisser en paix. Parce que je vais être parmi les gens qui ont fils pour leurs parents. Je vais être parmi les gens qui ont les gros business à vendre. Je vais être parmi les gens qui ont les livres au Monaco. Je vais être parmi les gens, je vais être parmi les gens. Oh, oh, la galère, tu m'as pourquoi tu ne veux pas me laisser en paix. Nouveau son de Kossi. Ceux qui n'ont pas encore regardé le clip sur YouTube de Tramage, voilà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent de se connecter. Et je disais ceci, pour tous ceux qui viennent de se connecter là, je vais faire ce direct pour me plaindre. Avant de me plaindre, pour expliquer d'abord,
pour dire d'abord merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Parce que je pense que le HPD de quelqu'un, c'est un jour sacré pour lui. Vous voyez un peu. La Guinée, la plus belle, la Guinée. Il n'y en a pas l'argent, laisse-moi. Vous avez pas oublié de parler de ma femme. Donc je disais ceci. Moi, c'est sûr de moi que si j'étais à Dubaï, à Mof, Epic, si j'étais à Dubaï, mon anniversaire, l'air sur le feu. Il n'avait même pas besoin des Africains. Il y a d'abord Franklin Kenda, d'abord location de voiture de luxe. Il allait mettre que petit pour valer une voiture 2022. Pas te balader avec. Il allait mettre que petit pour valer une voiture de luxe. Pas te balader. Je cause même quoi avec les gens qui ne sont jamais encore dans une Mercedes 2019. Non. Je cause même quoi avec vous. Franklin Kenda, c'est un Camerounais. On me dit que, Seigneur, Mof, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés par les pieds, d'autres sont nés par la tête. Il y a des gens qui sont nés même à l'encre de l'hôpital. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas ancrés dans l'hôpital. Franklin Kenda, général des fois, a mis des voitures. Même quand les messieurs arrivent à Dubaï, c'est chez lui qu'on loue les voitures. Il a les voitures de luxe que le gars a. Ah, grand. Non, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Franklin Kenda, à Dubaï. Tu arrives à Dubaï, tu ne loues. Ah, d'ailleurs, d'abord, c'est Dubaï est facile. Nous, on fait partie des rares personnes qui ont fait 10 jours à Dubaï. Hein? D'autres font que 3, je ne sais pas parce qu'ils veulent. Quand la rame, elle a toqué la porte chaque matin. Que plus, quand tu fais mon nez, c'est 2000 dirhams. À chaque fois, la plus moche à Dubaï, ça revient là. Hein? Les temps civils. Les temps civils. 700 grammes, tu fais combien en France, c'est pas 130 000. Non, on a pris un appartement 3 chambres, on payait 2000 dirhams. On a fait 10 jours. 2000 dirhams, c'est 300 000. On a fait 10 jours. Non, 2000 dirhams, c'est 400 000. Non, 300 000. On a fait 10 jours, on a payé 3 millions. Oui, on a fait 10 jours, demain on a payé 3 millions. Les gens partent, ils font que 3 jours. C'est vrai. Je me disais, si moi j'étais à Dubaï, rien que Franklin Kenda, allez taper, vous voyez, allez taper un peu sur Facebook. Franklin Kenda, location, vous allez voir. Les voitures que le gars. Mais on, donc en fait, il te dit que nous sommes en 2000. Combien nous sommes en 2021, non? Il te dit qu'il y a les voitures de 2022 déjà expirées. Qui louent dans les voitures de location. Ben, on arrive à devenir nous apporter dans une Mercedes là. Maf, le grand frère est puissant. Franklin Kenda, allez taper seulement, même pour rien. Pas seulement taper pour voir les voitures que ton frère Camerounais a. Et c'est en location. Parce que si c'est dit qu'il vend rien, ils ne vont pas acheter. Qui va acheter pour avec la donne du Cameroun. Tu achètes une voiture de 2022, tu arrives ici au Cameroun, tu vas dédouaner avec quoi? Soit tu vas donner que les papiers de ta maison en garantie. On va te donner la voiture. Pourquoi tu roules un peu un peu? Hey! Franklin Kenda. Il y a aussi Bachirou Pote, sa femme. Elle s'appelle comment? Sa femme. Attends. Bachirou Pote. C'est compliqué. Il m'a dit que petit, si tu arrives à Douala, tu ne vois pas mon enfant, on va avoir les problèmes. Bic! Je ne suis pas un hypocrite. Je te promets, va aller voir ton enfant. Il va aller voir ton enfant. En fonction de la beauté de ta femme, on va voir si elle peut utiliser ça. Si elle peut utiliser Eugénia Cosmétique. On va voir. Ça là. Non, hey! Au lieu de toucher mon lait ici, un lait qui va me donner, qui va ouvrir mes pores, un lait qui va me rendre, qui va me rendre ma peau comme la peau du bébé. Au lieu de toucher ça, mieux, tu prends, mieux mon iPhone qu'on va me donner demain là, tu casses encore. Au lieu de toucher mon lait de toilette ici, Eugénia Cosmétique. Au lieu de toucher ça, les gens rient, vous riez quoi. Vous avez que je suis pas comédien, non? Il fait mon direct. Il y a le direct le plus sucré du Cameroun. Vous savez que même si il y a qui devant la caméra, c'est même couché, donc vous allez rester. Vous allez être au moins minimum 500 personnes à être connectées là. Tu donnes la maison en garantie. Oui, Poupée du Togo. Je suis à Yamoune, mon frère. Poupée du Togo à Douala. Elle est là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu. Bon, je disais ceci, je veux clôturer. On a remercié à Véro Jess. Il dit à Véro Jess, merci à Véro Jess pour le souhait des joyeux anniversaires. Merci à Koussi. Merci à Chaba. Je veux la maison de Chaba. Je veux le son de Chaba. Chaba Siko. Il dit merci à mon grand frère Chaba. Il dit merci à Koussi. Il dit merci à mon grand frère Kamoussi le Kamati. Voilà un grand frère. Voilà un grand frère qui. Non, quand il n'est pas avec toi, non. Il n'est pas avec toi. C'est un grand frère que j'ai eu à l'offenser par erreur. Il demandait pardon. Et il n'est pas le genre de grand frère qui. Il a sauté ton pardon par derrière. Par derrière, pas encore. Tu vois pas le genre de grand là, non. Il te rit, il avait te dire que non, mon petit, il n'y a pas de pardon. Alors qu'au fond, il te veut du mal. Non, quand Moussi n'est pas avec toi, il te tape. C'est quand il est avec toi. Et il m'a dit que mon petit. Tu m'avais offensé, c'est vrai, il était pardonné parce que c'est une nouvelle année, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a aussi le petit Chidengue là, c'est un chien, un malheureux. Quand ils sont arrivés à Dubaï, c'est moi qui ai arrêté sa main pour qu'on crase sa roue. La voiture a failli le tuer, la voiture a failli l'écraser. On allait dire que, oh papa, oh, il s'est parti vendre l'enfant dessus pour monter le bœuf. C'est comme ça. Donc il y a aussi Chidengue qui est là. Il y a Claude Jondjala, le plus beau du Cameroun, il a fait ses preuves. Lui aussi m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a mon papa Kabana, il y a moi, Minga.
Maminga, la plus belle fille, celle qui a sauvé l'honneur des boules de Yaoundé. Parce qu'avant, toi, on disait que les Yaoundé étaient laides, mais toi, au moins, tu es venu sauver l'honneur. Dans un sac de courant, tous les gars ne peuvent pas être pourris. Tu es venu être l'exception. Et Maminga aussi, avec sa beauté, m'a souhaité jouer d'anniversaire. Puis, il y a qui d'autre? Il y a les filles aussi du côté de Yaoundé. Monte chic. Elle m'a offert, voilà, monte Versace là, ou même ça. Je cause même quoi avec les gens. Je cause même quoi. Regardez. Ah, je cause même quoi, non? Regardez. Monte d'origine Versace, c'est sorti dans le carton. Elle s'appelle Leslie. Une jeune fille, elle fait dans l'entrepreneuriat, elle a sa boutique, elle a les employés et tout. Elle m'a offert la montre. Montre chic, c'est situé à la nouvelle route, au nouvelle route de Musport. Oui, pas ça. Elle m'a offert une montre chic, c'est compliqué. Elle m'a aussi offert un bracelet. Mais elle pense pas que c'est l'or. Si c'est l'or, c'est qu'elle est la responsabilité. C'est-à-dire que le plaquet. C'est-à-dire que le plaquet, elle m'a offert ça. Elle m'a offert ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore qui d'autre? Il y a Chambalo aussi, l'humouriste. Le gars, je vous ai dit que Chambalo, il aime encore Natacha. Moi, vous dis la vérité, non. Il aime encore Natacha, mais il est là, il s'abonne Natacha partout. Il y a Chambalo aussi qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a Dola Bijou qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a Nel Cruz, il m'a envoyé la vidéo, il m'a souhaité joyeux anniversaire. Maintenant, mais qui ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire? Parce que c'est le nom de tous, non. Il y a le directeur Kevin aussi qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a qui? Il ne faut pas que j'oublie quelqu'un. Oui, même tous les gars de Kennedy m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ils m'ont dit, Zizou, tu viens demain, on va t'offrir un téléphone. Il y a qui d'autre? J'ai dit, il ne faut pas que j'oublie le nom de quelqu'un. Là, on s'est fâché. Il y a Aldo, le diplôme qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a qui d'autre? Il ne faut pas que j'oublie. Je pense que c'est tout. Bon, hey, sans oublier ceux-là que j'ai... mes abonnés, gars, j'ai compris que malgré tous les critiques que les gars font en commentaire, les gars m'aiment. Les gars, ils me mettent à genoux pour vous dire merci, les gars. Ils me mettent à genoux pour vous dire merci. Ils me mettent à genoux pour dire merci à tous mes abonnés. Actuellement, c'est ma messagerie Facebook qui est saturée. Les gars m'ont souhaité joyeux anniversaire, mes followers, mes patrons. Je vous appelle mes patrons, vous allez souhaiter joyeux anniversaire. Il y a encore qui? Valdos, la Valdos optique. Y'a Valdos optique. Car la banque te fait ce qu'on appelle l'examen de vue. Ça veut dire que à Valdos optique, une fois qu'il a signé le contrat, il a compris. Moi, maman, de prendre les lunettes, il a compris que non. C'est pas forcément ceux qui sont mieux ou bien qui sont qui ont la daltonie. Parlons de la daltonie. Je vous raconte un sketch. Voilà donc un policier. Je vous raconte un sketch. Parce que les gens en train de dire, on vous dit tout, allez faire les concours. Allez faire les concours, vous passez. Vous travaillez normalement, après demain vous allez accuser que le président a fait ci. Voilà donc un policier qui est en train de diriger la circulation. Il voit un daltonien au volant qui a brûlé le feu. Il stoppe dans le daltonien, il dit, mais monsieur, vous ne venez pas de le constater, vous avez... Non, attendez, je parle un peu trop vite, c'est ça. Parce que Kabou m'a tout dit que dans le système, on va parler doucement. Je vous dis ceci. Voilà donc un policier qui est en train de diriger la circulation. Il est au carrefour, non, là où il y a le feu de signalisation, là. Alors, non, un daltonien au bord de sa voiture. C'est vrai que c'est interdit au daltonien de conduire. Non, mais ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, non, un daltonien au volant de sa voiture, il a donc brûlé le feu. Le policier l'interpelle. Il dit que bonjour, monsieur. Il dit que oui. Il dit que mais vous ne constatez pas que vous venez de brûler le feu, puisque le feu était au rouge. Donc, vous étiez censé vous arrêter. Le monsieur donc dit au policier que s'il vous plaît, je suis daltonien. Il dit que le policier dit que je vous là-bas en daltonien. Ouais, le policier dit que je suis là-bas en daltonie. On ne vous apprend pas à respecter les feux de signalisation. Papa, un daltonie, c'est la maladie des yeux. Un daltonie, c'est celui qui a les confusions de couleurs. Dès là, il a comme ça dit au policier que je suis un daltonien. Pourquoi? Parce que le rouge qui signalait, lui, comme il est malade, le rouge pour lui peut signaler même le vert. La daltonie, c'est une maladie qu'on appelle la confusion de couleurs. Ceux qui ont fait l'SVT là, ceux qui ont fréquenté là. Le policier commence à dire que mon frère, excusez-moi, que je vous là-bas en daltonien, on ne vous apprend pas à respecter les feux de signalisation. Donc c'est un peu ça. Donc, Valdo Optique, allez là-bas. Et ceux qui ont la France maladie peuvent venir à Valdo Optique. Se faire examiner. Là-bas, on fait ce qu'on appelle l'examen de vue. Et c'est gratuit. Et actuellement, c'est le temps, c'est là. Du 13 décembre au 14 janvier, il y a les lots à gagner. C'est-à-dire que tu fais un achat à partir de 30 000 francs chez Valdo Optique. Il y a les téléviseurs. Pour ceux qui ont le direct que je fais, et je serai là-bas demain, à toute la population de Yaoundé, pour ceux qui veulent me voir, venez à l'avenue Kennedy, à l'immeuble CNPS là-bas, Valdo Optique, vous allez me voir, je serai là-bas. Il y a beaucoup de lots à gagner. Vous riez, ça te fait rire, ça vous fait rire.
Vous avez dit que moi, je ne suis pas comédien, non. Vous riez alors pourquoi? Vous riez pourquoi? Donc, c'est un peu ça. Il disait, va de optique. Gars, pour ceux qui conduisent beaucoup dans la nuit, là, ils ont une paire de lunettes, j'ai oublié le nom. Ils ont une paire de lunettes, là. C'est, hein? Blue coaching. C'est que quand tu portes ça, les machins vont te dire, quand une voiture met les pleins, face de toi, tu ne vas pas voir devant toi, là. C'est faux. À Valdos optique là-bas, chez Valdos, ça dose. Quand tu donnes les lunettes, quand tu portes ça, même si quelqu'un met les phares du camion, papa, tu vois devant toi. Et t'es dans ta voiture, tu vois. Donc c'est un peu ça. Il disait ceci. Ok. Moi, j'ai vu mes vrais gens. Mon anniversaire, là, c'est passé. J'ai vu ceux qui m'ont posté, ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci. Moussou Okazmati, grand frère, merci beaucoup. Pour ceux qui m'ont posté souhaité anniversaire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est comme s'il me ridiculisait même. Tu dépasses quelqu'un en tout, tu appelles son nom, tu appelles leur nom. Premier, je suis premier à sortir de l'Afrique. Hein? Premier à sortir de l'Afrique. Et mettre l'homme dehors. Je veux causer quoi avec eux? C'est un peu comme si tu vis dans un appartement, mais tu passes ton temps à te bagarrer avec quelqu'un qui est dans le studio. Qui est le bon? C'est nous de nous deux qui est le vrai fou. Moi, je disais seulement que, gars, même pour ton propre bien, le jour de ton anniversaire, si quelqu'un ne te souhaite pas, le jour de ton anniversaire, si il n'est pas ton ami, place-toi bien. Voilà, la famille, on est ensemble.